C'est une tradition centenaire qui reste populaire en République tchèque. La procession de Judas est pratiquée lors du samedi blanc de Pâques dans le nord de la Bohême. První zmínka o tom je v obecní kronice z roku 1893, kdy místní učitel doslovně napsal ten popěvek, který se dodnes zpívá. Il faut près de 2 heures pour enrouler un couvre-chef de paille autour de Miloslav Hašek et faire de l'adolescent un Judas de paille. Le costume, qui pèse plus de 15 kilos, prend plusieurs jours à préparer. Plusieurs conteurs conduisent Judas de porte en porte. Le cortège traverse le village au rythme des chants de Pâques, menés par un collecteur qui demande des œufs, des bonbons ou de l'argent. Takže za tu zradu toho Ježíše je jakoby voděn hanbou a je upálen vlastně na konci té pouti. Après la mise à feu symbolique au costume de Judas, les conteurs se partagent la récompense du porte-à-porte. Vodění proradného Jidáše ve slavněném obleku po vesnici souvisí s magií a s náboženským chápáním přírody. Je to taková jarní osobní očista. Jiří Skáncel, Euronews, Stradoň, Česká republika.